Hello, bienvenue dans la 39e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici paramétrer un classeur. Par défaut, chaque nouveau classeur contiendra trois feuilles nommées feuilles 1, 2 et 3. Nous pouvons modifier le nombre de feuilles par défaut en nous rendant dans Fichier, Options, puis en modifiant le nombre du champ Inclure ces feuilles. Ainsi, si nous avons paramétré à 5, chaque nouveau classeur comprendra 5 feuilles dès sa création. Dans Excel, il existe des thèmes prédéfinis. Nous pouvons les modifier en nous rendant dans Mise en page, puis en sélectionnant un nouveau thème. Ce nouveau thème s'applique à l'ensemble du classeur. Ainsi, lorsque vous créerez des tableaux ou des segments, ils prendront ce thème. Nous pouvons modifier la police de l'ensemble du classeur en nous rendant dans Mise en page, Police. De la même façon, nous accédons aux différentes palettes de couleurs. Dans la prochaine leçon, nous personnaliserons le menu et la barre d'accès rapide. N'oubliez pas de cliquer J'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. À bientôt!